Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui nous allons tester un skill. Je laisse deviner le mot test, mais un skill test niveau espagnol. Donc c'est-à-dire que là c'est un espagnol qui l'a créé, donc on va voir ce que ça donne niveau espagnol, parce que d'habitude on teste des niveaux allemands, on teste du level asian, on teste niveau normal, hein, American, et là c'est un skill test niveau espagnol. Voilà. Est-ce que c'est simple ou pas? Telle est la question. Nous, comme vous le savez, nous allons essayer de faire un perfect, parce que nous aimons bien faire des perfects à chaque fois. Et vous savez que j'aime bien faire ce genre de défi. En tout cas, je le rappelle, c'est mon gameplay. Hein, je vais freiner, j'accélère, je freine, j'accélère. Hein, ce n'est pas le gameplay de la salle. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent à chaque fois, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, Unmin, c'est le gameplay de la salle, pas nous. Alors que c'est moi qui le fais, tu vois. C'est moi. Je comprends pas. I don't know why. I don't know why. Alors que des fois, carrément en live, je finis des trucs. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet. Là, pour le coup, nous allons tester ce petit skill test. Ok, ça m'a l'air d'être là. Ouais, je pense que c'est là. Bon, je rappelle, dans un skill test et dans un perfect, le but c'est de ne pas tomber. Or, en l'occurrence, là, pour le coup, on a vraiment pas d'indication. Donc je fais au feeling, les gars. On a tellement l'habitude d'avoir des choses ici. Ah non, ah c'est là, d'accord, ok. Pas mal. Moi je pensais que c'était en fait en haut, alors que en fait pas du tout. C'était juste ici. What the fuck. Ok. Là, on arrive dans un parcours. Nous arrivons dans les premiers éléments. Même si vous savez que ici on peut passer, hein, je veux dire, sans forcément prendre les deux. Ok. Bon, le but aussi c'est de bien analyser le truc, de pas se précipiter et de voir ce qu'il y a derrière. Parce que forcément, si on tombe, on regarde pas ce qui se passe. Ok, c'est bon, là c'est au-dessus. Y a rien de compliqué. Pour l'instant, on tombe pas. Et pour l'instant, il y a vraiment. Bah, c'est un skill test niveau débutant là. Les Espagnols, là, je sais pas ce que vous avez, les gars. Mais disons que pour le moment, vous me faites pas vibrer, quoi. Ok. Là, pour le coup, ça va. En vrai, ça va. On va faire n'importe quoi ici. Donc, on a 2 minutes 30. Je vais passer par là, tiens. I'm going to passing parking. Voilà, ok. Là, je pense que je suis pas mal. À mon avis de vous, je suis bien. Mais pour le coup, faudrait pas que je fasse n'importe ici. Ok. Là, je suis bien, la salle. Tu vois? S'il y avait la salle, il me recouterait. Oula, attends, attends, attends. Faut pas que je fasse n'importe là. C'est bon. Parce que des fois, tu vois, il peut avoir des parcours, etc. Ou des obstacles, des trucs du genre qui apparaissent d'un coup. Bam, t'exploses. Ou bam, tu tombes et tout. Là, en l'occurrence, pour le moment, écoutez, il n'y a pas trop de parcours. Pour le moment, c'est vraiment que de la route. On a eu un petit peu de parcours. Hein, vraiment un tout petit peu, quoi, j'ai envie de dire. Ok, 3 minutes 30, on a 20. Oh! Alors, attendez. Laissez-moi analyser ça. Des fois, je passe par là, non? Ouais. Par contre, ah, il y avait un chemin. Ok, il y avait un chemin, mais bon, j'ai utilisé ce chemin-là, mais il y avait un chemin. Bah, c'est, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'indication. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de suivre le truc. En fait, il y avait un chemin juste là. D'accord. Donc, regardez les flèches, hein, je vous montre. Bon, après, c'est une route, hein, donc vraiment. On n'a pas triché ou quoi, donc pour l'instant ça va. Il faut juste pas faire l'imp ici, parce que ici, il me semble que là il y a du parcours, les gars. Oh, ok. Là on va arriver dans le parcours, les gars. Et là, faut pas faire n'importe quoi. Parce que si vous. Ok. Faut pas que je fasse l'imp ici. On rappelle le but. C'est de faire un perfect. Non, 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 j'ai trop sauté, voilà.
Eh bien, Perfect échoué, malheureusement. Oh la vache, on respawn nous en plus. Aïe 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 aïe, j'ai sous-estimé la puissance de la jugular. Alors que c'est un véhicule très puissant, notamment utilisé dans les courses-poursuites sur GTA RP. Aïe 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 aïe. Alors fallait juste faire ça, mais regardez là, je vais le faire d'un coup quoi. Aïe aïe aïe, regardez là, je vais le faire sans tomber. Alors qu'avant je me suis précipité, mais non, mais non, mais pourquoi? Pourquoi je fais nimp? Ok. Regardez, je passe d'un coup. C'est incroyable. Voilà. Je suis passé du deuxième coup parce que, comme j'ai dit, j'ai trop sous-estimé, j'ai voulu aller trop vite, voulu trop accélérer. Malheureusement, ça nous coûte ce 100% perfect. Mais en tout cas, faut pas qu'on tombe une deuxième fois. Allez, on se dit comme défi. Oula. Oh, déjà, j'aimerais bien que le véhicule. Bon, ok. J'aimerais bien que le véhicule monte. Ce serait pas mal. Est-ce que c'est le fait qu'il soit bas? Allez. 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 Ok. Oh. What the fuck, c'est vraiment tendu, les gars, pour que ça passe, hein. Oh lolo. J'espère que ça va passer tout seul. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai la technique, j'ai la technique. Ok. Bon, par contre, ici, à force de faire des parcours, on sait que nous pouvons passer sur un seul, tu vois. Pas forcément obligé de faire les deux. Bon, on est tombé deux fois. Oh là là, j'ai failli sauter là. On rappelle, notre but, c'est de ne pas tomber trois fois. Bon, on a failli déjà le premier. Et bah voilà. On est tombé trois fois. Donc là, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de tomber, les gars. Tu vois, et là, j'ai voulu aller doucement. Alors qu'en fait, il faut pas aller doucement. Il faut aller vite. Ouh. Ouh là 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 là. Faut pas que je me faille là. Bon, par contre, c'est vraiment très fin là. Pour l'occurrence. Ok. Doucement, les gars. Faut pas que je fasse un peu. Bon, d'habitude, je tourne direct. Hein, mais là, j'ai pas envie de me faire. Ok. Ça passe nickel. Ouh la vache. C'est très fin ce parcours. Attends, mais tu vois que j'ai. Non, c'est bon. Ok. J'allais dire, me dis pas que j'ai loupé le point. Ok, ça passe nickel. Alors là, faut que je saute. Faut pas que je tombe non plus. Ça serait dommage de tomber ici quand même. Bon là, ça va. Il n'y a pas trop de risque de tomber. Bon, ça va, c'est easy là. Franchement, en vrai, ça va. Mais par contre, au ouais, niveau espagnol, pour le moment, il y a trop, rien de compliqué. Faut juste ne pas se fail, ne pas tomber, ne pas se précipiter. Et faire avec, quoi, les gars. Bon, par contre, il nous a pas mis de point intermédiaire, j'ai pas compris. Quand on arrive sur tout, il aurait pu nous mettre un petit point, tu vois. Non, le mec, il veut nous faire souffrir, quoi. Ok, on a 25 sur 29. Allez, tout doux, s'il te plaît. Je pense qu'il faut que je prenne de l'élan. Je crois qu'il y a un problème avec la jugular. Ouais, il y a un problème avec la jugular qui ne veut pas monter. Ah oui. Oh là là, mais non, mais.
J'avais oublié qu'il n'y avait pas de points, mais merde, Ligue des Champs, ce sont les merdes Ligue des Champs. Oh là là. Ici, faut pas faire ça, faut pas faire si, c'est pas comme si je n'existais pas. Alicia, Alicia, écoute-moi. Ok. Comment je vais faire là? What? C'est passé. Ah ouais, c'est... Allez, faut vraiment y aller fort comme ça. Ouais, la jugular, elle passe pas, il y a un bug bizarre. J'ai une petite technique, c'est de mettre un petit coup de joystick. Alors, faut mettre un petit coup de joystick. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Il faut mettre un petit coup de joystick sur les côtés, mais bon. Ok. Bon, vu qu'ici, ça ne passe pas en avant, je vais tenter un coup de bigot. Je garantis rien. Mais bon, comme on dit, qui tente à rien n'a rien. Donc on va essayer de le faire en arrière. Je vais dire au bout d'un moment, quand le véhicule passe pas en avant, et bah faisons-le en arrière, tu vois. Faut que j'arrive jusqu'au point quoi. Oh là là. Je suis en train de faire un skill test en arrière. What the fuck les gars? J'ai réussi. Je vous ai dit les gars, en arrière ça passe. Par contre, faut pas que je tombe bêtement quoi. Parce que pour l'instant on n'a pas eu le point. Ok, bon, au niveau espagnol quand même, c'est pas que c'est du level, c'est que là en vrai on est tombé pour rien. Tu vois, parce que en avant tu peux pas. Bon, donc on a rajouté une difficulté en plus. On l'a passé en arrière. Bon, ça va. Tu vois, juste pour le coup, là, on peut oublier le fait que je sois tombé. Maintenant, il nous faut ce point qui est juste là. Parce que pour le moment, on l'a pas ce point. Pour le moment, nous n'avons pas ce petit checkpoint qui nous permet de... Oh. Ok. Oh. Ok. Ça fait plaisir. Oui, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir d'avoir obtenu ce point. Voilà, je vous le dis. Vraiment, ça fait plaisir. Bon, maintenant, faut pas qu'on se faille. Ouh là là, j'ai vu qu'il y avait des trucs fins encore. Bon, par contre, il aime bien nous mettre des trucs fins. Ok. Faut pas qu'on fasse ça parce que là, le problème c'est que le véhicule il tourne tout seul à droite. Donc en vrai, je crois que les deux trucs sont un peu mal mis. Regardez. Il y en a un qui est plus bas que l'autre. Donc je sais pas si c'est fait exprès, je pense pas. Concentré. Ok, c'est voilà, comme on l'a dit, on peut se permettre d'aller doucement. Oh là là. On a eu ce point.
Wow, alors vraiment le niveau espagnol, pour le coup, je disais que c'était easy, mais je sais pas si c'est vraiment réel en fait, c'est vraiment easy. Ok. Me dites pas qu'on a fini. Me dites pas qu'on a fini. Oh, holy shit, on a fini. Oh my god. Eh bien, écoutez, ce niveau espagnol, honnêtement, on a mis combien de temps là? Je vais regarder. 17 minutes 51. Ça va. Je dirais niveau médium.